Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, je pars de la Guérinière à vélo, direction l'Herbaudière. Et on va aller voir les bateaux. Allez, bonne vidéo, générique. C'est vraiment sympa Noirmoutier. Donc on résume, il faut un camping-car, des vélos et 4-5 jours. Alors là, vous passez un super moment, il faut qu'il fasse beau évidemment. On est à combien? 4,8 km. Allez, courage! La piste est sympa. Ça fait un peu mal aux fesses, mais c'est ça. La bicyclette! Ça fait quelques kilomètres, mais elle est vraiment magnifique cette balade. Elle est superbe. Je regrette absolument pas du tout, du tout. Allez, c'est reparti. Voilà le fameux aire de camping-car de l'Herbaudière. Comme je vous disais sur l'autre vidéo, je mettrai le lien par là. C'est quand même à touche-touche. Il y a des services. On peut vidanger tout ça, ok. Mais bon, il n'y a pas d'élec. 6,30€ les 24 heures. Moi, je trouve ça un peu cher. Après, on est vraiment... Si je tourne, voilà. On est vraiment ici. C'est quand même sympa. C'était l'Herbaudière, il n'y a pas grand chose à voir, hein, juste des bateaux. Et donc c'est reparti, direction l'aire de camping-car de la Guérinière, c'est à environ 15 km. Donc c'est reparti, la journée à 30 bornes de vélo, c'est bien, allez, faut faire du sport. Et puis je vais vous montrer tous les beaux paysages, si jamais il n'y a pas trop de voitures qui passent. Ouais, donc je disais, je vais vous montrer tous les beaux paysages qu'il y a. Regarde la caméra, Charles. Hey. De Noirmoutier, c'est ici que ça se passe. Thank you.
sympa, Jeanne. Tu dis bonjour aux internautes ou pas? C'est bon. C'est bon. Bon, alors c'est Clémence qui filme. Ah, t'aimes bien filmer, Clémence? Oui. Alors, bah, ici s'arrête cette dernière vidéo. Et puis, bon, bah, comme d'habitude, hein, si vous avez bien aimé, on met des pouces. Hein, faut faire marcher les algorithmes de YouTube. Et puis, puis abonnez-vous. Hein, et bien, est-ce qu'ils doivent laisser des commentaires, les copains, les abonnés? Oui ou non? Non. Ah, non. Allez. On éteint maintenant. Comment? On éteint.